voilà, je me présente, Iliès. Donc, je me suis lancé dans l'aventure donc de la greffe de barbe, sans trop savoir au départ. Et je suis arrivé donc sur Istanbul, donc à l'aéroport, tout seul. J'ai pris un billet sur un coup de tête après avoir fait une demande de devis pour une greffe de barbe. J'étais quasi imberbe. Une fois arrivé donc sur place, il y a un chauffeur privé et un traducteur qui viennent s'occuper de vous. Le traducteur, c'est au top, même durant l'opération, il vous assiste. Une fois arrivé donc sur place à l'hôtel, il vous laisse à peu près une nuit pour vous préparer au lendemain durant l'opération. On vient vous chercher en début de matinée. L'hôtel, pour ce qui est de l'hôtel, rien à dire, c'est un 5 étoiles, vraiment top. Une fois sur place, donc dans les bureaux où on est, où je suis même ici là, donc on vous fait la ligne, donc la ligne naturelle, ce qui est là en fait sur le côté, il vous la dessine. C'est à vous de dire selon on va dire vos besoins. Une fois donc la ligne dessinée, on vous emmène à la clinique, là où on procède donc à la greffe. Donc on vous prend dans la zone donneuse à l'arrière du crâne. Ça se fait super délicatement, franchement l'opération est quasi indolore. Le traducteur est à vos côtés durant l'opération. Franchement, pour une opération qui est lourde à la base, franchement, les résultats sont là rapidement. On avait parlé d'un an, minimum 8 à 12 mois. J'ai fait l'opération le 1er mars, on est aujourd'hui le 10 juillet. Voilà les résultats. Pour quelqu'un qui était imberbe, il n'y a rien à dire. Pour le staff, c'est 5 étoiles clairement, que ce soit avant, pendant ou après. Ils vous répondent, mais ils sont là présents, quelles que soient les questions. Franchement, j'ai eu des mauvais retours de certaines cliniques sur Istanbul. Mais là, clairement, là, c'est le top du top. Les résultats parlent d'eux-mêmes, clairement. Donc voilà, pour ceux qui ont encore des doutes, faites votre demande, envoyez les photos et franchement, lancez-vous. Parce que vous pouvez passer de imberbe, voilà, à ça. Trop de poils et obligé de vous raser, de découvrir ce que c'est les problèmes d'avoir une barbe fournie.